Ce lundi 1er décembre dernier, le palais de justice de Chambéry est en état de siège. Devant et à l'intérieur du tribunal, une vingtaine de policiers aux aguets, fusils à pompe et armes automatiques en bandoulière. Une sécurité renforcée pour un procès sous haute tension. Le procès de citoyens serbes accusés de braquage perpétré ces dernières années dans plusieurs villes de France, Courchevel ou encore Saint-Tropez. Ces hommes encourent 30 ans de prison. Les autorités sont sur le qui-vive, mais les avocats des accusés, eux, préfèrent ironiser. J'ai peur qu'ils se fassent mal, qu'ils se passent mal, leurs armes. Jamais. Vous comprenez tout ce dispositif ? Non, oui, il est inutile. Complètement inutile. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas dangereux. Et pourtant, leurs clients appartiennent à un gang qui, généralement, ne recule devant rien pour faire libérer ses membres. Comme en 2005 à la prison de Villefranche-sur-Saône. Ce jour-là, le gang n'a pas hésité à attaquer la prison à l'arme automatique pour en extraire l'un des leurs, avec une échelle. Des voyous audacieux, devenus spécialistes de l'évasion, mais pas seulement. Ce sont avant tout des as du braquage et depuis maintenant près de 10 ans, les polices du monde entier leur courent après. Leur cible de prédilection, les bijouteries de luxe. Leurs forfaits ont déjà été immortalisés par les caméras de vidéosurveillance dans 28 pays du globe. Tokyo, Dubaï, Genève, Londres ou encore Paris, ces dernières années, aucune grande place du luxe n'a été épargnée. Butin estimé, plus de 110 millions d'euros. Le gang compterait plus de 150 membres. Tous originaires des Balkans, ils n'ont pas froid aux yeux et agissent même avec une certaine audace. Comme ce jour d'avril 2007, à Dubaï, où ils ne vont pas hésiter à défoncer l'entrée d'un centre commercial avec deux grosses berlines pour dévaliser cette bijouterie. Ils repartiront avec 11 millions d'euros de bijoux. Des casses tellement spectaculaires que la police anglaise a fini par donner un nom à cette bande. Les Pink Panthers, les Panthères Roses. Un surnom tiré d'un célèbre film qui raconte le vol d'un diamant, la Panthère Rose. Un nom dont jouent désormais certains des voleurs, allant jusqu'à s'habiller de rose lors de leur braquage. Alors, qui sont ces Pink Panthers? Comment ce gang est-il organisé? Quel est le mode opératoire de ces malfaiteurs qui donnent aujourd'hui des sueurs froides aux joailliers du monde entier? C'est au début des années 2000 que les Pink Panthers commencent à se faire connaître. À cette époque, ils s'en prennent encore à du menu fretin, comme cette joaillerie de Courtrai en Belgique qui vend essentiellement des bijoux et des montres à des prix abordables. Ce 14 juin 2003 au matin, Manuel Schledmann, le patron, prend un café avec sa femme dans l'arrière-boutique quand un bruit suspect attire son attention. Tout d'un coup, j'ai donc entendu vraiment énormément de bruit en venant de la rue. Et je me suis levé, je suis allé en direction du magasin. Étant arrivé au magasin, j'ai vu que les volets était demi-baissé. Il aperçoit alors des hommes derrière la vitrine. Il se saisit aussitôt de son revolver et sort du magasin. Ils étaient ici, au milieu de la vitrine. Une main à l'intérieur de la vitrine. Elle était vraiment ici, au milieu de la vitrine. Les deux, un à gauche et un à droite, étaient en train de soutenir les deux volets. Quand il voit les braqueurs, le bijoutier panique. Et j'ai tout simplement tiré. Blessés, les trois hommes prennent la fuite. Mais l'un d'entre eux, mortellement touché, décède un peu plus loin. S'engage alors une chasse à l'homme qui va permettre l'arrestation de l'un des deux autres voleurs. Il s'agit de Boban Stojković, l'un des hommes jugés cette semaine à Chambéry. Un braqueur tué, un autre arrêté, le vol de la bijouterie est un fiasco.
Pourtant, très vite, les Pink Panthers vont perfectionner leur savoir-faire en matière de braquage. 4 ans plus tard, à Tokyo. Cette fois, les Pink Panthers vont commettre un sans-faute. Leur astuce pour passer inaperçu, utiliser un accessoire local, le masque anti-pollution. C'est ainsi qu'ils vont se faire ouvrir la porte d'une bijouterie de luxe, sans éveiller les soupçons. L'opération ne prendra pas plus de 35 secondes. L'un des braqueurs vide les vitrines pendant que l'autre asperge le personnel de gaz lacrymogène, protégé des regards extérieurs, par un parapluie. Il s'enfuit avec un butin de 12 millions d'euros, dont ce diadème estimé à lui seul à 2 millions. En 2007, les Pink Panthers enchaînent ainsi les braquages de haut vol à travers la planète. Désormais, tous les spécialistes de la sécurité en joaillerie, comme Alain, les reconnaissent à leur seul mode opératoire. L'entrée dans la boutique se fait toujours selon le même procédé. Généralement, c'est une personne, pas très suspecte, qui se présente à l'entrée, qui sonne à la boutique. Une fois que l'autorisation est donnée, c'est là que les choses s'accélèrent. Vous avez deux complices qui courent, qui eux sont généralement avec des sacs à dos, avec du matériel. Là, tout de suite, ils pensent pour la sortie à placer un petit loquet pour bloquer la porte. Chacun sait ce qu'il a à faire. Vous voyez, la personne communique avec la victime. Elle ne veut pas d'histoire, pas d'embrouille. Vous voyez, tout est propre, le blouson est posé, la personne travaille. Donc, il casse la vitrine. Il n'y a pas un verre d'eau qui tombe par terre dans la boutique. C'est calme, ça n'attire pas l'attention, il n'y a pas de bruit. Vous voyez, c'est du professionnel. Mais la force des Pink Panthers, c'est surtout leur rapidité. La plupart de leurs braquages n'excèdent pas 40 secondes. Un exemple de braquage qui dure 15 secondes, vous êtes dans un hôtel, il y a des enfants, il y a des clients, il y a deux mecs assis là-bas, vous voyez, en casquette dans le lobby, et là, il y a des bijouteries. Vous avez une personne qui arrive en costard-cravate, qui va donc pénétrer le premier dans la boutique, la porte s'ouvre, et là, les deux personnes courent et attaquent au marteau les vitrines. La sécurité de l'hôtel va arriver et elle va se faire tout de suite raisonner par le braqueur. Maintenant, je vous montre la même scène vue de l'intérieur de la boutique. Et vous allez voir, c'est absolument ahurissant de voir l'attitude de l'employé qui est ici. Vous allez voir qu'il va carrément répondre au téléphone pendant le braquage. Donc là, les gens cassent les vitrines, il y a beaucoup de bruit. Voilà, et il va répondre au téléphone. Voilà, et là, le braqueur va se rendre compte qu'il répond au téléphone. Là, il se retourne, il voit tout de suite qu'il a répondu au téléphone. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Un braqueur qui serait moins professionnel ou beaucoup plus angoissé ou tout simplement parce qu'il se serait énervé, en voyant ça, il est capable de faire un homicide sur un coup comme ça. Mais ce n'est pas le but recherché, ce n'est pas non plus la technique recherchée, ce n'est pas de la violence. C'est effet de surprise, audace et rapidité d'exécution. En plus de 100 braquages, les Pink Panthers n'auraient jamais tué personne. S'ils font preuve d'un tel sang-froid, c'est que la plupart ont déjà frôlé la mort. Originaires des Balkans, ils ont connu la guerre en ex-Yougoslavie. Certains sont même allés au combat, ce qui leur donne une grande maîtrise des armes à feu. Dès lors, comment mettre un terme aux méfaits de ces as du braquage ? Courant 2007, les Pink Panthers sont désormais dans le collimateur de toutes les polices de la planète. Et plus particulièrement dans les pays où les bijouteries de luxe sont nombreuses. Comme ici à Monaco, où le gang a déjà sévi deux fois. Christophe Agé dirige la police judiciaire de la principauté. Depuis des mois, le commissariat est tapissé d'avis de recherche des membres du gang. Alors là, nous sommes au peloton motorisé de la sûreté publique. Le policier le reconnaît, il se sent démuni face à ces braqueurs qui n'ont peur de rien. Vous la voyez, ça ? Ça, c'est pareil, ça, c'est les Pink aussi. C'est vraiment la criminalité du 21e siècle. Ils ont une pratique qui est largement supérieure à tous les dilettants qu'on peut rencontrer. Une pratique de guerre également, puisqu'ils sont la plupart issus de zones de guerre. Ils ont vécu des choses très dures. Donc, si vous voulez, ils ont un rapport à la vie, au risque et au danger qui n'est pas du tout le nôtre. C'est la raison pour laquelle on est complètement déconcerté avec des personnes comme ça. Pour arrêter des braqueurs de cette trempe, l'acharnement ne suffit pas. Il faut aussi avoir un peu de chance. Et elle va finir par sourire au policier monégasque. Comment allez-vous ? A-t-il encore pour elle, personne n'a perdu le contrôle. Elle a fini. C'était le 15 octobre dernier, à l'occasion d'un banal accident de la circulation, en plein cœur de Monte-Carlo. Deux piétons traversent le passage clouté où nous sommes. Et là, une des deux personnes se fait renverser et on va dire est blessée au pied droit ou gauche, je ne me rappelle plus. Évidemment, le chauffeur du véhicule descend tout de suite et essaye de savoir s'il peut prêter assistance à la personne, qui lui dit non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et on va comprendre pourquoi il ne veut pas être transporté et surtout, il ne veut pas être contrôlé par la police.
l'homme accepte finalement d'être transféré à l'hôpital. Avec son complice, il s'y présente sous une fausse identité. Mais grâce aux avis de recherche, un policier reconnaît le visage de l'un d'entre eux. Il s'agit de Borko Lincik, qui accompagne le blessé Dusko Poznan. Deux hommes traqués pour avoir participé 18 mois plus tôt au spectaculaire braquage de Dubaï. Les autorités monégasques découvriront plus tard que les Pink Panthers s'apprêtaient alors à commettre un casse, sous l'œil des policiers. Car les deux hommes étaient descendus à Monaco en repérage, où ils visaient cette bijouterie, située juste en face d'un poste de police. Les Pink Panthers, c'est vraiment ce qui les caractérise. Même en face d'un commissariat de police, on va quand même faire des repérages. Parce qu'ils considèrent que si pour une raison ou pour une autre, nos policiers seraient absents du commissariat pendant quelques minutes, notamment partis sur une autre intervention, ils vont les chronométrer, ils vont essayer de savoir est-ce qu'ils ont temps ou pas de commettre un hold-up, tout simplement. En Europe ou ailleurs dans le monde, ces dernières années, une quarantaine de membres des Pink Panthers ont ainsi été arrêtés. Mais tous les policiers de la planète qui enquêtent sur le dossier, comme le commissaire Cadieu, en France, savent que la traque n'est pas terminée. À ce jour, le gang compterait encore une centaine de membres actifs. Et l'organisation serait d'autant plus difficile à démanteler qu'elle est en réalité éclatée en plusieurs petites bandes. Je crois que Pink Panthers aujourd'hui, c'est plein de petits graphiques qui seraient réunis et peut-être même pas en relation les uns avec les autres. C'est pas une structure, c'est une équipe de malfaiteurs qui font des vols très organisés dans des bijouteries, mais on ne peut pas dire qu'il y a un chef à la tête de tout ce réseau. À Chambéry, les Pink Panthers, jugés début décembre, ont écopé de peines allant de 6 à 15 ans de prison. Mais comme le gang est composé de plusieurs bandes et dirigé par plusieurs chefs, ce ne sont sans doute pas ces condamnations qui vont mettre un terme à la folle série de braquages.